Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du routier. Donc on va aller jusqu'à Dijon, c'est ce que je dis comme quoi, on va aller jusqu'à Dijon, au nord de Lyon, avec ce magnifique camion. C'est un Ural ou un Kamaz. Eux ils marquent Ural, mais j'ai l'impression que c'est un Kamaz plutôt, ou un Vaz, ou un truc dans ce genre là. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me dire par exemple, vous montrer plus tard à quoi ressemble le camion pour éviter d'être en retard. Je pense qu'on ne sera pas, mais bon, on sait jamais. Ce mode est vraiment très joli, franchement bien fait, hein, à tous les points de vue. Après c'est vrai que déjà là c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, ça me fait un peu chier. La première fois ma caméra a merdé, donc j'espère que cette fois-ci elle va pas merder. Bon, il y a un petit bug au niveau des clignotants. En gros, comme vous l'entendez, il y a les clignotants qui fonctionnent ou pas, je sais plus comment, si vous les entendrez et tout. Mais il n'y a aucun voyant qui s'allume. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, on va dire que ça passe. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Après, l'intérieur est vraiment plutôt bien fait et tout. Franchement, un petit chapeau. Vraiment chapeau à celui qui a fait merde. J'espère que ça va pas plus. J'espère que ça va pas m'emmerder, parce que j'ai l'impression que voilà, en gros il faut que je vais mettre à charger ma caméra. Bon, je suis en train de me dire au pire, dans le pire des cas en fait. Donc j'espère que ça vous plaît, parce que moi franchement je me donne à fond pour chercher du mode et tout. Après bon, faut vraiment aussi vraiment essayer de trouver quelque chose de sympathique aussi. Donc voilà. Après c'est vrai que comment dire, excusez-moi là, je réfléchis un peu pas beaucoup en fait, mais bon, on va dire que je réfléchis quand même. Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi j'aime bien faire mes vidéos sur Car Mechanic Simulator. Après, il faut bon, que ça suive et tout. Ça a l'air de suivre un peu de temps en temps, mais pas toujours. Donc voilà, c'est pour ça que il y a des trucs qui me plaisent plutôt bien et d'autres un peu moins. Donc là, on va aller jusqu'à Dijon. J'espère que cette fois-là, ça va pas bugger du tout. Ni mon ordi, ni quoi que ce soit d'autre, parce que ça arrive des fois. Pas souvent, mais des fois. Putain, on a 8h du matin. Donc voilà, après, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, par exemple, à me dire s'il y a quelque chose qui pourrait vous plaire dans Euro Truck 2. Ah merde, j'ai pas acheté ici. De toute façon, je l'achèterai quand je viendrai acheter le camion ici. J'en ai peut-être un peu trop dit là. Donc voilà, en fait vraiment là c'est vrai qu'en ce moment je sais pas, j'ai un petit coup de fatigue, mais bon, ben, ça m'arrive des fois, j'ai des en fait j'ai des chutes, j'ai des remontes, j'ai des chutes, je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être d'avoir vraiment perdu en vitalité et tout, et de pas arriver à retrouver mon truc, c'est vraiment dommage. Je sais plus j'avais pas configuré ça. Bon, c'est pas grave, on va mettre les essuie-glaces. Donc je sais pas si je vais aller jusqu'à Dijon. Normalement je devrais pouvoir y arriver, malgré que le camion soit un petit peu longuet. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver pour aller jusqu'au bout là-bas, jusqu'à l'arrivée quoi. Donc voilà,
Après, c'est vrai que c'est un petit peu. Aïe aïe aïe. Je suis un peu monté sur le trottoir. Et vraiment, ce mode, je le kiffe. J'adore ce mode. Par exemple, je vais vous montrer maintenant. Regardez. Donc, c'est un Ural. Ils appellent ça Ural. J'ai vu Ural 4320 Day Cab. Ils appellent ça. Mais bon, après, moi, je l'appelle. Bon, j'ai vraiment tuné à max. Mais bon, on va dire qu'il y a encore quelques manques, on va dire. Donc, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible et de pouvoir. Putain, mais oh, c'est pas possible. Et de vraiment pouvoir ne pas s'embêter en allant jusque. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette les feux, moi. Donc voilà, franchement, il est vraiment très bien fait. Même l'intérieur, on a le choix entre plusieurs intérieurs. J'ai trouvé que celui-là était plus joli. Je crois qu'il y en a 3 si je ne me trompe pas. Après, on peut personnaliser d'intérieur en mettant un GPS, en mettant le compteur numérique, en mettant aussi la CB que vous voyez peut-être pas vraiment en bas à droite. Donc vraiment, on peut choisir plutôt pas mal de choses. Par contre, on ne peut pas mettre deux fois la même chose, c'est normal. Après, bon, comment vous dire, c'est vrai que ce jeu, voilà, est toujours bien, il y a toujours de bons modes, ben, il y en a toujours eu, il y en aura encore, je pense, parce qu'il a encore pas mal de choses devant lui. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui peuvent être encore faites là-dessus. Après, il faut arriver à continuer et améliorer ce jeu, parce que je pense que les programmeurs, on va dire, ils sont vraiment, je pense, en plein dedans. Et ils sont vraiment, je les félicite. Parce que quand même, en 3 ans développement, on va dire. Parce qu'il est toujours, pour moi, il est toujours en développement, ce jeu. Il n'y a pas de truc final. Et c'est ça, bon, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est même mieux. Ça, c'est pas que ça me dérange, justement, c'est mieux. Ça me dérange parfois quand j'ai envie de jouer et puis qu'il y a une mise à jour à faire. Ça m'énerve un peu, mais bon, on va dire que ça reste convenable. Donc voilà, après, sinon, là, justement, ça me fait plaisir que les développeurs fassent encore des patchs pour ce jeu, tout en ne le laissant pas tomber, parce que c'est vrai que ça arrive parfois, qu'en gros, il y ait des jeux qui soient déjà bien, et puis que les développeurs les laissent comme ça parce que ils les trouvent assez bien, et puis voilà. Pardon. C'est ce que j'ai mangé à midi qui remonte là. Ça remonte souvent. Ouais, comment j'ai fait des dégâts? Je me suis pris le panneau, j'ai pris des dégâts. C'est un monstre et puis je prends des dégâts quand même. Bon, laissez tomber. ce que je veux dire par là, c'est que moi je préfère un jeu qui, même s'il a des défauts, il est encore des nouveautés, il puisse encore se développer comme ce jeu, alors que il y en a, en gros, ils se développent plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jeux, ils n'ont pas de patch et ils n'ont pas une mise à niveau, en gros, alors que celui-là, vraiment, il l'a. Les dernières mises à niveau, bon, après, c'est les derniers trucs qui ont été faits sur ce jeu, c'est vraiment des trucs tout basiques. Mais c'est quand même des bonnes choses par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et à ce vraiment, c'est vraiment des choses basiques. Mais c'est que des choses sur le graphisme du jeu. Il n'y a pas eu de nouveauté. Oh putain, ça lag à mort. Il n'y a pas eu de nouveauté, on va dire, sur le gameplay. Là, c'est vraiment l'aspect graphisme. Design et tout, voilà. Excusez-moi, j'ai dû dire une connerie en plein milieu de tout ça, mais c'est vrai que c'est surtout le design qui a été travaillé sur les 2-3 derniers patchs. Il n'y a pas eu, par exemple, je sais pas moi, un nouveau truc. Dans le dernier nouveau truc qui soit dans le gameplay, on va dire, c'est le fait que quand on tourne le volant, il y a la caméra qui tourne aussi. C'est la dernière nouveauté, on va dire, qui
a été mise dans le jeu depuis, on va dire, 5 mois, 6 mois. C'est la dernière nouveauté, on va dire. Après, c'est vrai, je crois qu'il y a eu un nouveau camion. Oui, il y a eu le DAF aussi, oui. Mais bon, c'était fin novembre, je crois. Fin novembre, donc ce qui fait que c'est déjà plus tout jeune. Bon, c'est pas vieux non plus, mais c'est pas jeune, jeune. C'est à peu près dans ces 5-6 mois dont je vous parle. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'innovations graphiques. Comme je vous ai mon pas montré, mais je vous montrerai à la fin, parce que en fait, je me trompe quand je vous dis je vous ai montré. Je vous ai pas montré. Franchement, ils ont vraiment changé pas mal de choses. Ils ont changé les comment ça s'appelle? Toutes les concessions. Les garages peut-être aussi, je sais pas, je suis pas allé dans un garage tout seul encore. Ils ont changé toutes les grandes concessions et les petites concessions, et c'est vraiment, même moi je trouve plus joli qu'avant. Et de toute façon, c'est un peu normal, hein. En gros, si je devais comparer ce jeu à quelque chose, je le comparais à une bouteille de bon vin, millésimé et tout, parce que en gros, comment dire. Ce jeu, voilà, en gros, il se bonifie avec l'âge, parce que ça fait déjà combien? 2, 3 ans, 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois que ça fait 3 ans, il est sorti fin 2012, il me semble, donc ça fait 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, il a presque rien perdu. Par contre, je trouve quand même un petit peu bizarre les essuie-glaces. Et après, c'est ma façon de voir. Après, c'est peut-être différent en fait. Parce que moi, je trouve ça bizarre. Après, c'est peut-être pas bizarre pour. Parce que pour moi, ça ferait un peu comme sur les camions américains. Vous voyez, en gros, ça fait intérieur-extérieur. Mais après, c'est peut-être comme ça sur le vrai, hein. Camion, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est vrai que je conduis pas souvent sous la pluie dans le jeu. Parce qu'il pleut pas souvent. Mais bon, on va dire que ça me dérange pas plus que ça qu'il pleuve, hein. Après, franchement, il est toujours correct, hein, ce jeu. Il a toujours été correct. Après, c'est vrai qu'à ses débuts, il n'était pas non plus, c'était pas une bête de concours, hein, il n'était pas non plus extra non plus. Mais là, il commence quand même à avoir un petit truc qui fait de lui ce qu'il est, en gros, un bon jeu. C'est vraiment ça qui manque, c'est le fait qu'ils sont un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu, et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que c'est un bon jeu, et que voilà, je sais pas comment vous dire ça. Bon, non, j'ai cru qu'on était revenu dans une zone. Putain, j'ai l'impression que ça fait un peu comme en vrai. Je sais pas, des fois, en gros, on passe dans des zones où il fait beau, et des fois moche, et ça y était pas avant. J'ai l'impression que parfois on arrive dans des zones où par exemple il y a un nuage et un endroit où il n'y a plus de nuages et tout, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Oui, il y a des travaux. On appuie sur le frein, même si j'aime pas trop ça. Je préfère appuyer sur l'accélérateur, moi. Donc voilà, après, n'hésitez vraiment pas à me dire, par exemple, si vous. Par contre, là, ça fait moche. Mais bon. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous voudriez voir un truc un peu spécial, on va dire, à voir sur la chaîne. Parce que c'est vrai que là, j'ai un peu. Bon, j'ai pas mal de jeux test en cours. Là, qui est en cours. Qui j'ai en tête et que je vais mettre en place. Mais en gros, j'aimerais bien avoir votre avis sur certains jeux. Sur. Voilà. Après, je sais que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, pour essayer de chercher des jeux. À faire en découverte, moi je m'en fous vraiment de ce qu'on peut dire sur ah, tu copies machin, tu copies machin. C'est pas une copie vu qu'on joue, on a une façon de jouer qui est différente. Chacun a sa façon de jouer, et c'est ça que je trouve intéressant sur YouTube. Chacun a sa façon de jouer, et chacun a sa façon de tricher aussi, de faire ce qu'il a, ce qu'il veut faire. Voilà, avec le jeu. Après, c'est vrai que Euro Truck 2, voilà, il a beaucoup de choses qui sont bonnes, il y en a des un peu moins bonnes, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plus ou moins bien, mais il a le fait qu'il est très bon.
C'est vraiment ça que même les modes les pour les peu pourris on va dire parce qu'il y en a qui sont vraiment pourris pourris mais même les modes les plus pourris sont vraiment plus ou moins bien et c'est ça qui il manque encore faut avoir des modes un peu mieux un peu comme sur Farming aussi il y avait des modes qui étaient vraiment très bien et à la fin c'était vraiment un jeu qui était hors pair quoi. Même si je crois que Farming Simulator 2013 n'a pas eu beaucoup de mises à jour, en gros. Il me semble, hein. Il n'y a pas eu tant de mises à jour que ça. Il me semble qu'il n'y en a eu que deux ou trois. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui était déjà pas mal au départ. Mais il me semble que c'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de mises à jour. Il me semble. Je ne vais pas dire conneries. Il me semble que. C'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de mises à jour, mais c'est vrai qu'en gros, avec les mods et les DLC ont complété beaucoup ce jeu, parce que c'est vrai que les mods et les DLC ont vraiment fait une grande part des choses là-dedans. Mais bon, on va dire que... Oh merde, je suis rouge dans le sommeil. Aïe, 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 je suis pas bon. Tant pis, de toute façon, on va devoir y aller. Et finir parce que là il reste plus qu'une heure et demie. Il me semblait avoir fait une sieste à Genève. Ouais, j'ai pas dû la faire. Bon, c'est pas très grave sur ce point de vue-là. J'espère juste que ça vous plaît parce que franchement je me donne à fond. Je me donne au maximum pour pouvoir vous faire plaisir et me faire plaisir en même temps. Et c'est la chose la plus importante qui est. Donc voilà. Oh, c'est vrai que c'est plutôt court hein, finalement. Les 3 heures sont presque finies. Parce qu'on avait 3 heures de voyage, il me semble, depuis depuis Genève, de Genève jusqu'à Dijon. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Donc voilà. Et je trouve que j'ai quand même plutôt bien conduit. Hein, même si j'ai pris des dégâts en shootant un plot. Mais bon, faut pas parler trop vite parce que c'est pas encore fini. Donc voilà. Mais bon, moi je trouve que jusque-là, j'ai plutôt bien conduit. Voilà. Même si j'ai un volant de merde, hein. Faut préciser ça aussi. Parce que j'ai un volant, voilà, qui est pas fait pour ça. Qui serait plutôt fait pour des jeux de course. Et seulement des jeux de course. Parce qu'en gros, voilà, j'ai un petit volant. C'est un Trustmaster Ferrari, je crois, ou je sais pas trop quoi. Et qui fait PS3 PC. Et PS2 aussi. Et donc il fait 180 degrés. Et ça, c'est pas terrible, je trouve. Mais bon, on va dire que ça reste convenable. Et puis que voilà, on peut s'amuser quand même dessus. Et c'est le principal. Bon, après, il y a des jeux où voilà, c'est un petit peu moins intéressant. Mais bon, on peut encore s'amuser avec. Voilà. C'est le plus important. Donc là, on est à 1 heure. C'est plutôt sympathique. Il avance bien ce camion. Bon, là j'ai pris une version en combien? En 600 chevaux, il me semble, ouais. Et en je sais plus combien de kilo-newton, en gros de couple. Voilà. J'ai pas vraiment regardé, c'est vrai que moi je prends toujours le meilleur moteur. Parce que après, des fois on se traîne un peu et tout. Mais c'est vrai qu'on se traîne quand même un peu avec ce petit 600 chevaux. Mais bon, on va dire que bon, c'est pas un camion qui a l'air neuf à première vue. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, on peut lui accorder ce fait-là qui se traîne ce camion. Après, c'est vrai que ça permet d'admirer le paysage, d'admirer pas mal de choses parce que c'est vrai qu'il est toujours joli. Par contre, c'est vrai que c'est super stable. Mais c'est peut-être aussi à cause du fait que j'ai mis la remorque en stabilité maximum. Ben, c'était pas pour ce mode-là que je l'ai fait, c'est pour celui de la semaine prochaine. J'ai mis, mais que j'ai pas encore utilisé. Je l'ai pas encore utilisé du tout. Ce camion-là, comme vous voyez, j'ai déjà fait 300, non, 260 km, 267, on va dire 270. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage sur ce point. Putain, j'ai du trafic derrière moi. Là, à peu près, c'est vrai que je me traîne, mais bon. Un peu, là, c'est vrai que je suis au-dessus des limitations de vitesse maintenant, mais bon.
Non, j'ai pas tant de trafic que ça, il y a deux voitures derrière moi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que. Comment dire? Il y a vraiment des camions ou des voitures qui sont vraiment intéressantes dans le jeu, même si les voitures sont pas très intéressantes, vu qu'à chaque fois, les voitures, elles se. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, elles se cassent la gueule et puis c'est fini. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, bah là, je me commence à me prendre des prunes parce que je suis fatigué. J'ai compris que j'étais fatigué. Merci pour le tuyau percé. En plus, je me prends une prune, donc je suis encore plus au courant. Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà, il y a des jeux, il y a des modes qui sont plus ou moins bien faits. Ce jeu vraiment reste pour moi l'un des meilleurs. Après, il y en a d'autres qui sont aussi bien, voire mieux que celui-là. Mieux peut-être pas, non. Je dis peut-être des conneries quand je dis mieux. Mais c'est vrai que il reste pour moi quand même l'un des meilleurs. Parce que c'est comme du bon vin. Voilà. Du bon vin, si tu le laisses vieillir, il va devenir meilleur. Alors que là, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On va pouvoir faire pas mal de choses avec. Mais vraiment, j'ai l'impression quand même qu'on arrive. Je sais pas trop. J'aimerais bien savoir à combien. Ah, je peux encore faire 200 km avec. Putain, il a pas une bonne. Attends, tu peux faire 400 km avec cette merde. Bon, c'est vrai que j'ai pris un 4 essieux. Donc c'est. Peut-être pour ça qui. Oula, excusez-moi pour ce petit écart. J'étais peut-être un petit peu trop concentré sur le compteur. Oui, je sais, je suis fatigué. Merci du tuyau percé encore une fois. Ouf. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de voir à quoi ressemblent les jeux au bout de plusieurs années et voir si s'en tire bien ou pas. Ce jeu-là. Il a fait déjà 2 ans et demi, et au bout de 2 ans et demi, il s'en tire toujours avec les honneurs. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ce jeu-là, au bout de 2 ans et demi, il s'en tire encore avec les honneurs, même bien plus. Parce qu'en gros, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses en pas mal de temps, et franchement, il m'impressionne. Ce jeu est vraiment très intéressant, très constructif. Et très voilà, il y a pas mal de choses dans ce jeu qui restent intéressantes à voir ou à revoir. C'est vrai que par exemple, dans mes vidéos, je vais pas souvent comment dire dans les pays de l'Est, je reste souvent en France, un peu en Suisse, en Luxembourg, des endroits comme ça. Mais je verrai ou une fois ou deux en Angleterre. Bon, je sais que ça plaît pas bien beaucoup, ben, ça plaît pas beaucoup. Quand je vais en Angleterre, mais bon, on va dire que pour moi, c'est vrai que je préfère quand même rester en France parce que c'est mon pays, c'est voilà beaucoup de choses. Après, voilà, je ne veux pas dire que j'aime pas aller à l'étranger dans ce jeu-là, c'est pas vrai. Putain, il y a un autre camion là-bas en face. Voilà, après, c'est vrai que. C'est vrai que de toute façon on est toujours bien quand même, même si voilà, quelques bugs encore, il rame beaucoup sur mon ordinateur, je comprends, parce que mon ordinateur c'est pas une bête de compétition non plus. Hein, mais bon, franchement je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Même sur mon PC, qui est pas non plus le plus petit du monde, parce que franchement il y en a. Je suis presque en retard déjà. Putain. Donc voilà, c'est vrai que ça fait la deuxième fois parce que dans la vidéo précédente, j'avais déjà cette histoire d'être en retard et c'est vrai que ça m'avait énervé un peu. Donc, voilà. Merci pour la prune, voilà. Donc voilà, allez, bouge, t'as un Scania Stax quand même, faut pas abuser, hein. C'est l'un des modes que je vous avais présenté parce que en gros, ce mode a une particularité. C'est qu'il existe, ben on peut le mettre en tant que. Ben, oui, on peut le mettre en tant que. Comment on peut dire? En tant que. Ah, comment on peut dire?
peut-on dire ça? En tant que... Ah, je sais pas trop comment on peut dire ça. En tant que... Bon, je vais faire une connerie, je pense. Non, bon, il n'y a pas de barrière. On est bon? Ah putain, il tourne en plus ce couillon. Merci mon gars. Voilà, j'étais un peu en temps des choux parce que c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter puis je me suis pas arrêté donc voilà. C'est vrai que après tout, ce jeu a vraiment battu, fait beaucoup parler de lui, je pense, un peu plus que son prédécesseur, parce que Euro Truck 1. Mais après c'est vrai que quand on regarde Euro Truck 1, on se dit putain. On était dans la merde et à la fin, genre, ils ont fait un truc plutôt pas mal, quoi. Parce que Euro Truck 1, je sais plus quand c'est qu'il est sorti. Je crois en 2009, non? 2007 ou 2009. Et à la fin, on arrive avec un Euro Truck 2 qui nous laisse bouche bée. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a d'intéressant. Dans ce jeu, en gros, ils arrivent vraiment à nous faire pas mal de trucs, donc. J'espère que si un jour ils nous sortent American Truck, que vraiment il vaudra le coup d'être acheté. Que vraiment, en gros, je sais pas comment le décrire. Que vraiment, si on veut l'acheter, on est vraiment obligé de. Oh, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, que. D'après les quelques photos déjà qu'il y a sur Steam. Que j'ai vu sur Steam, il y a vraiment beaucoup. Graphiquement, il a l'air magnifique. Déjà, bon, déjà celui-là est déjà magnifique. Mais déjà, franchement, si on veut le faire tourner en ultra avec vraiment un truc élevé et tout, il faut avoir du PC. Hein, parce que moi, je vous dis, là, je suis pas en ultra, je crois que je suis en élevé ou en je sais pas quoi, ou en moyen. Et c'est pas facile de faire tourner un truc en ultra ou en élevé sur mon PC. Bon après il y a des jeux qui tournent plus ou moins bien. Merci pour la prune. Allez. Bon, ça tourne plutôt bien. On fait dodo un peu, mais je pensais m'être reposé à Genève. C'est ça qui me. Ah, en fait j'avais bien mis le truc comme il faut. Bon, donc ce qu'on fera, on va faire. Je vais aller voir après la petite. C'est pas une concession, c'est la réparation qu'il y a là. Pour pouvoir faire une petite sieste. Et on se quittera là, je pense. Parce que 30 minutes, c'est une bonne heure. C'est bien. Après, j'espère franchement que ça vous plaît. Sincèrement. J'espère vraiment que vous allez pouvoir continuer vraiment à regarder mes vidéos. Bah, pouvoir non. Mais vouloir surtout. Parce que c'est vrai que je me donne à fond. Peut-être que quand j'aurai la fibre, si je l'ai un jour, normalement je devrais pas tarder à l'avoir, pouvoir faire des lives, ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait être une bonne expérience aussi. Je vais pas non plus me mettre à faire que des lives. Je vais garder mes vidéos parce que j'aime bien encore avoir cet aspect montage. Même si, bordel de merde, même si le montage c'est pas forcément le principal, c'est déjà une chose qui compte beaucoup. Et c'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Et qui, putain, j'ai plus qu'une barre. Et qui vraiment me tient beaucoup à cœur. Voilà. Donc je vais devoir mettre à charger ma caméra. On met. Pourquoi je me mets mon clignotant? Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. J'espère par exemple que la caméra que vous avez là va bien. C'est une caméra super bien et tout. Vraiment, je pense pas, je suis pas sûr qu'elle soit encore en vente au jour d'aujourd'hui. Mais bon, si je devrais vous conseiller une caméra,
Ce serait celle-là parce que celle-là c'est vraiment une bonne caméra et tout. Elle fait vraiment bien les vidéos et en plus elle fait des photos et tout. Donc vraiment, si je sais pas combien elle coûte réellement, si elle se vend encore parce que c'est pas sûr ça non plus. Putain, une merde! C'est pas sûr ça non plus. Que en gros elles se vendent encore. Donc voilà, mais je pense que elle doit se vendre encore un peu, peut-être pas beaucoup, mais surtout dans l'occasion. Moi j'ai réussi à en avoir une neuve, ou presque, on va dire, qui a pas tant servi que ça, et c'est ce que je cherchais, on va dire, et j'en suis fier parce que c'est vrai que là. Je pense qu'on va se la faire à la rapide parce que franchement là ça m'énerve. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Donc voilà. Après c'est vrai que je sais pas quoi vous dire plus hein, franchement. Après moi franchement je vous dis. Clairement que franchement YouTube ça me plaît énormément encore parce que c'est putain mais merde tu vas me faire ça à chaque fois bordel voilà après c'est vrai que voilà ça me plaît sincèrement de faire des vidéos merde c'est pas ce que je veux c'est l'autre que je veux l'autre côté. Ça me plaît franchement de faire des vidéos. Là, c'est vrai que je me garde pas super bien. Mais bon, on va essayer de continuer dans cette zone-là. Hein, comme ça. Un peu. Donc voilà. Après, j'espère franchement que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, mettez un j'aime pas. Et puis si ça vous plaît, mettez un j'aime. Ça me fera à moitié plaisir, à dire. Bon, on va pas se casser la tête parce que ça commence à me casser les pieds. Hein. Donc on est en excellent, c'est bon, c'est une bonne chose. Donc voilà, hop, on va bientôt passer au niveau 1000, 1000, non, 14 700 et des brouettes. Donc voilà, je vous ai montré. En fait, on a plusieurs modes de roues. On a des grosses roues comme j'ai de partout, sauf au milieu. Et au milieu, c'est celle de base, on va dire. C'est les roues de base et on a vraiment un choix qui est plutôt sympathique. Et oh, pardon. Pardon à mon matos. Donc on va remettre en marche avant. Allez, avance. Donc voilà, on va aller voir un peu ce que vaut les. Putain. Ce que vaut les. Comment ça s'appelle? Les endroits où on peut se reposer et réparer nos camions. Donc franchement, n'hésitez pas aussi à me dire, par exemple, si je conduis bien. Hein, on peut pas dire que j'ai bien conduit au début, mais après ça s'est gâté un peu et c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Mais ça m'arrive de bien conduire du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Voilà, après, c'est vrai que là, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que trouver un sujet, ça serait bien, mais bon. Voilà, après, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, après, c'est vrai que voilà, n'hésitez pas, franchement. Putain! Excusez-moi pour cette vulgarité, mais là c'est vrai que le coup de la somnolence, une fois je veux bien, deux fois ça va, trois fois c'est trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les vidéos sur Truck, si vraiment, voilà, à me dire ce que vous en pensez, même si ça vous plaît pas, je vous oblige pas à aimer ce que je fais, parce que c'est pas. Forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est une chose que ça ne plaise pas à tout le monde, mais voilà. En gros, faut rester respectueux et tout.
Donc, moi, je dis pas que ce que je fais, c'est super bien. Franchement, il y a encore des trucs à faire. Il y a encore des améliorations qui peuvent être faites. Et vraiment, à la fin, arriver à faire des trucs assez. Non, en fait, ils n'ont pas changé. Les garages, ils les ont pas changés, j'ai l'impression. Ils ont changé que les concessions. Mais bon, c'est pas grave. Je vous les montrerai au prochain épisode. Donc voilà. Surtout, n'hésitez franchement pas à me dire, par exemple, si ça vous plaît. Si ce camion vous plaît, je crois qu'il est, par exemple, ce camion, vous pourrez le trouver en mode sur ETS2.it. En gros, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ETS2.it, le site où j'ai trouvé moi ce mode. Vous cherchez un peu dans le. Ça risque de remonter un petit peu à loin, mais voilà, vous cherchez un peu dans les camions. Et normalement, vous devriez trouver assez rapidement ce camion. Tu t'arrêtes? Merci mon coco. Ah non, tu t'arrêtes pas en fait. Saloperie. Oui, je sais, je suis exténué. Donc, on va pas tarder à se quitter parce que déjà j'ai plus beaucoup de batterie et parce que aussi, voilà, j'ai plus rien ni à vous dire ni à faire en fait. Donc, putain, il m'énerve encore la somnolence. Voilà, on va aller se coucher tout de suite parce que là ça m'énerve la somnolence. Il me semblait avoir fait dodo tout à l'heure. Allez, fais dodo. Voilà. Hop, on enlève, on met ça, on met ça. J'ai dit on met ça. J'ai dit on met ça. Putain, mais il m'a fait chier là. C'est quoi cette merde là? Je comprends rien. Excusez-moi, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Putain, mais. Merde, c'est vrai. Je suis con sur marche arrière. Donc, on va essayer de trouver l'emplacement qu'il faut pour avoir. Voilà, hop, on arrête ça. Et hop, on va faire dodo. Voilà, donc n'hésitez franchement pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce camion. Donc voilà, par contre il y a un petit bug. Donc nous revoilà, excusez-moi pour cette petite coupure, j'avais plus de batterie. Donc voilà, on va se quitter là. Je voulais pas vous quitter comme ça sur un coup de tête. Donc voilà, c'est peut-être court la deuxième petite partie, là où il y a la caméra, voilà et tout. Mais je voulais vraiment faire un truc plutôt bien. Sympathique et sans vraiment de trucs voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va se quitter là dessus sur ce très joli camion Ural et on va se dire à la prochaine sur un petit ton humoristique ou pas comme vous voulez hein. Voilà hein, ça me dérange pas. Sur ce, je vous dis bonne semaine, bon week-end, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Ou bonne nuit, ou bonjour, ou voilà, tout ce que, voilà, dans toutes les langues que vous voulez, je connais pas toutes les langues. Donc on se dit à la prochaine, ciao!